bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un petit épisode de présentation de map et de mode. Je vous montre et je vous explique bien sûr tout ça juste après l'intro. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je voudrais tout d'abord remercier Ed, Gaël, Mohamed Kaza et bien sûr vous, tous les abonnés. Merci pour ce live complètement en qualité d'image pourrie de jeudi. Je tiens à m'en excuser encore une fois, mais c'est vrai que j'avais la connexion qui était en PLS. J'ai pu faire un live en 30 fps en 30 fps sur OBS. J'aurais dû passer en 720p. Il fallait que je refasse tous mes paramètres. Donc, ce que j'ai. Alors, ça, c'est le premier point. Et ensuite, j'ai refait mes paramètres là. Donc, du coup, la connexion était vraiment, vraiment trop instable. Du coup, je tenais à m'en excuser. Mais je voudrais vraiment vous remercier parce que le live a fait plus de 1000 vues. Et à cartonner au niveau des dons, donc merci à vous. Ensuite, on a discuté avec les potos, bien sûr, en vocal sur mon Discord, et c'était très très agréable d'entendre la petite Gaëlle. Voilà, je te fais un gros bisou. Bon courage pour ta journée, ta reprise de boulot ce soir. Voilà, et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un mode, bien sûr, d'une map. Voilà, mon petit Vincent m'a parlé de cette map. Alors, je sais même plus le titre de la map, les gars. Je sais même plus le titre de la map. Vous l'aurez dans le titre, bien évidemment. Mais très, très jolie map. Map immense, plus de 60 champs, il me semble, de mémoire. Il y a un petit peu de culture, on a les cultures de base classiques. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux... On va découvrir, donc je ne me suis pas spoil du tout sur la map. Et je voudrais présenter, bien évidemment, donc le cas, c'est celui de Simulagri, d'Univers Simu, pardon. Il faut que j'arrête de dire Simulagri. Du petit Bruno, voilà, 1455, qui est sur le modèbre. Et la bétaillère, c'est la petite ponge, voilà, de mon ami Corentin, le Théa Normand. Voilà, je lui passe le bonjour, bien sûr, j'ai fait un gros bisou. Et je voudrais le remercier de nous avoir passé ce mode en avant-première. Donc ça fonctionne, parce que regardez, j'ai mis les vaches dedans. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo, voilà, ce genre de petit épisode. J'en fais pas souvent, mais en tout cas, voilà, moi ça me plaît de le faire. Donc du coup, je me suis pas spoil, j'ai juste mis le speed player, j'ai juste mis, qu'est-ce que j'ai mis, le speed player, ah oui, le F12 et pas plus, voilà, j'ai juste mis ça. Donc on va, je vais d'abord vous montrer cette magnifique bétaillère. Donc du coup, on va démarrer bien évidemment le CAS, si j'arrive à y monter dedans. Alors oui, c'est parce que j'ai le mode lévitation. Donc quand vous avez le mode lévitation, vous ne pouvez pas appuyer sur E, puisque en fait E, ça permet de monter ou descendre, A, descendre. Du coup, voilà, et le speed player, c'est B et V, celui que moi j'ai. Et franchement, je le trouve super sympa, ce mode-là. Allez, on va démarrer le tracteur. Regardez, c'est magnifique gyro. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, j'ai mis la plaque normalement, autant sur le tracteur que sur la bétaillère, mais... je vous la montrerai dans le shop. Je vais vous la montrer même de suite, la bétaillère de mon poteau Coco, de mon poteau Corentin. Donc c'est Animaux Transport, bien évidemment. Vous allez là, ponge, elle est à 9 000 €. Elle est très très jolie. Donc vous avez la signalétique, vous pouvez choisir les gyros à LED. Vous avez l'immatriculation. Ah mais voilà, ancien format. Il fallait que je mette peut-être ancien format. Bon, c'est pas grave. Ancien format, nouveau format, ancien format, voilà. Gyrophare, aucun. Donc vous avez le gyrophare ici, standard, ou à LED, voilà. Et plaque d'immatriculation, aucune. Si, bien sûr, j'avais mis celle-là et j'avais mis mon code partenaire, Ced Farmer. Voilà, petit clin d'œil à ceux qui veulent, bien sûr, voilà, m'aider sur en achetant le jeu avec mon code partenaire, Ced Farmer, F-A-R-R-M-E. Et R et ça rate, regardez, c'est fabuleux. Moi, on peut changer la couleur, on peut la mettre comme ça, couleur massée, voilà. Et si on l'achète, ça fait, voilà, on va acheter le CAS.
Comme ça, je vous montre en même temps le cadre. Voilà, magnifique petite pack, magnifique bétaillère poche. Vous pouvez mettre 8 vaches dedans. Du coup, 8 vaches et ensuite, alors voilà, vous avez marqué là, donc 14 moutons, 15 cochons, 8 vaches. Ouais, c'est une petite bétaillère qui manquait au pack, qui manquait à notre collection, bien évidemment. On va acheter, regardez, on va acheter le 14,55. Vous allez, comme ça, je vous le montre en même temps. On va faire une vidéo assez rapide, mais en général, quand je dis assez rapide, c'est pas rapide du tout. Donc voilà, j'aimerais vous montrer la map parce qu'elle regorge quand même de trucs sympathiques. Cette map, vous aurez bien sûr le titre de la map en description. Je me rappelle plus du tout. Je suis désolé. Continental, donc Mitas. Donc moi, je l'ai mis en Vredestein, Verstein, j'aime bien ces pneus-là. Bon, après, format, voilà, masse équilibrage dans les pneus, format large. Mars, d'équilibrage plus pneu large, rouge jumelé. Il y a tout un tas d'options, il n'y a pas lissé, mais c'est pas grave. Éclairage optionnel, chargeur avant. Voilà, vous pouvez changer la couleur, bien sûr. Vous pouvez, plaque d'immatriculation occulte, donc pas de plaque. Si, plaque arrière unique. Ah, voilà, d'accord, j'avais pas trouvé. Arrière uniquement, pas de plaque. Donc, type 2, mais pareil. Moi je tape Sed, hop, Farmer, voilà, je suis un peu chauvin, comme on dirait l'autre, M, R, M, E, R, c'est comme les chocolatines, moi je tiens à dire les chocolatines, trêve de plaisanterie, voilà, donc du coup là ça devrait marcher, effectivement, voilà, vous l'avez marqué là, donc je vais l'acheter, regardez, hop, hop, comme ça on ira à la concession. Alors on va essayer de se mettre sur le trigger, sur la patte, là, vous savez, sur la patte noire, là. Si jamais c'est pas grave, ça marche pas, vous essayerez de l'autre côté, mais ça marche, hein, parce que j'ai pu les charger, donc c'est que si j'ai pu les charger, vous pouvez les décharger. Mais il faut peut-être bien rester, voilà, il faut peut-être être ici, simplement. R, non, on va avancer un peu. Bon, écoutez, je sais pas. Tout à l'heure, j'ai essayé charger là-bas, hein, donc du coup, voilà, mais ça fonctionne, hein, vous inquiétez pas. Donc elle a elle se salit, enfin voilà, elle se salit, elle est magnifique cette. D'ailleurs, je sais pas si regardez, vous pouvez même ouvrir avec le kick souris, kick gauche, kick souris, hop, voilà, vous pouvez ouvrir la porte de devant. Et j'aimerais bien les pouvoir les décharger. Alors peut-être il faut la baisser, je sais pas. Non, bon, mais écoutez, vous essayerez de l'autre côté, vous me direz. Ça a fonctionné pour les charger, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas pour les recharger, pour les décharger, pardon. Voilà, tout simplement, je vous montre, regardez, cette Farmer 12, bien sûr, la plaque, voilà, la plaque ici, donc je suppose que ça a fonctionné aussi, l'ancienne plaque, voilà. Ensuite, voilà, très jolie map, franchement, on va prendre un peu d'altitude, vous allez voir, vous avez vu un petit peu dans les plans d'intro que je vous fais, je trouve ça super joli, ça c'est la concession, donc j'ai pas regardé la map, je me suis pas spawné du tout, donc on va faire un petit tour comme ça, on va partir vers là-bas, vous allez voir, j'ai vu le BGA, voilà, très joli BGA, franchement, il n'y a rien à dire. Sur le BGA, il n'y a rien à dire. Ici, vous avez la ferme. Vous avez une autre ferme, bien sûr. Vous avez la ferme où j'étais, voilà. Alors, je ne suis pas arrivé à acheter cette simulation-là. Mais bon, je suppose qu'elle est vendue. Elle est avec parce que j'ai acheté l'autre. Donc, du coup, il faut acheter les terrains. Je pense que c'est les terrains de ce côté. On va regarder. Donc, je suis là. Regardez. Donc, si on achète les terrains de ce côté, voilà. Je suppose que ça va fonctionner. Ici, pareil. Vous achetez. C'est bien aussi, vous achetez terrain par terrain. Donc, ce n'est pas non plus. Trop cher, sont grands les terrains. Donc je vais reprendre un peu de. Voilà. Et donc là, logiquement, ça devrait fonctionner. Vous voyez. Donc ici, ça, c'est pareil, ça fonctionne. Hein. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, bien sûr. J'avais mis 8, mais parce qu'en fait, c'était par rapport à la poche, vous voyez. Donc du coup, voilà, acheter. Hop, hop. On pourrait peut-être revenir en fin de vidéo si je vois si j'ai le temps. Parce que ça fait déjà 9 minutes et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Vous essayerez de votre côté. Voilà. Donc sachez que tous les bâtiments fonctionnent. Enfin, du moins, ça, les vaches, ça fonctionne. On va aller tout droit, vous allez voir, on va passer un truc, ça paye. Du coup, je me suis pas spoil sur la map. Voilà, j'essaie de découvrir en même temps que vous. Ici, qu'est-ce que l'on a? On a les poules, je pense. Je redescends. On a les poules. Voilà, pareil, il faut acheter les lieux, hein, pour pouvoir voir si ça fonctionne ou pas. Où c'est qu'on est aux poules? On est ici, regardez. Ah non, c'est les chevaux. Ah ouais, c'est les chevaux. Donc, il y a les moutons, il y a les chevaux. Ok, d'accord, bon, mais écoutez... j'aurais dit les poules, moi. Mais bon, peut-être, c'est... Oui, bah, écoutez, ça fait joli. On aurait dit les poules, mais bon, si tu dis que c'est les chevaux, c'est les chevaux, ouais, c'est les chevaux. C'est les chevaux, ouais. Ok, bon, bah, très bien. Très bien. Ensuite, on va aller là. Il y a un petit village, là. Regardez, c'est super joli, l'environnement. Par contre, c'est serré, c'est étroit. Hein. Ici, vous avez de quoi vendre. Il y a toutes les fabriques dessus. Voilà, toutes les fabriques sont dessus. Je voulais voir cette petite église. C'est super joli, j'ai pas tout pris non plus en plan de vue, je vous en garde pour montrer bien sûr, pour vous montrer bien sûr en épisode, voilà. Les champs sont vallonnés, la map est vallonnée,
C'est vrai qu'effectivement, elle est super jolie cette map. Regardez ici, on a le gros GR. Donc, je pense que c'est un point de vente, bien sûr. C'est même pas, je pense, c'est sûr, même, je pense. Voilà, je sais pas ce que vous y vendez, mais vous regarderez, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a dans les points de vente? Faites voir un peu. Le blé, l'orge. Ouais, ok, l'avoine. Vous voyez, strain, grain, elevator, moulin à huile. Ok, bon, bah, écoutez, ouais, market. Grosser market, grossiste en marketing, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ben ici, on doit avoir une autre stabu. Donc, qu'est-ce que ça serait ça? Ne bougez pas, je vais vous dire. Puisque regardez, vu que je suis ici, voilà. C'est une autre stabulation à vache, sous un autre format, regardez. Les vaches spawn ici. C'est super joli, je trouve. C'est vraiment super joli. Puis il y a quand même du vallonnement, mon petit Vincent me le disait. Il y a quand même pas mal de vallonnement. C'est quand même sympathique. Ici, vous avez autre chose. J'essaie de faire le tour. Ouais, donc bon, après, vous regarderez par vous-même. Hein, mais je pense que c'est pareil, c'est une autre station de chaud. Ok, d'accord, très bien. Bah écoutez, ouais, c'est joli. C'est joli. Il y a quand même du sapin. Il y a du sapin pour mon petit Rob Kaza qui veut faire du bois. Lui, il aime ça, le bois. D'ailleurs, si, si je dois le prendre pour faire du bois, c'est lui que je prendrai. Hein, bien évidemment, ici, vous avez un point de vente Natural Oil. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais vous... Hop, je crois que c'est ici, d'ailleurs. Ah, il n'y a pas marqué. On ne peut pas regarder ce qu'il y a marqué dessus. D'accord. Ah, si. Moulin à huile. Voilà. Oil, moulin à huile. Ouais, bon. Ok, donc voilà, du coup, bon, c'est sympathique comme petite map. Y a quand même de la pinède, hein, j'avoue qu'il y a quand même du sapin. Hein, on va accélérer un poil de plus. Ici, on revient, c'est le corps de ferme. Je voulais montrer cet endroit-là. Peut-être que j'achèterai les cochons. Je sais pas où ils sont, les cochons. Peut-être ici, je sais pas. Est-ce que c'est les cochons, ça? Est-ce que c'est les cochons ou est-ce que c'est les moutons? Les moutes-moutes. Alors, on va... Non, c'est les poulets, ici. Vous voyez? Ici, vous avez les poulets. Donc, il y a encore une grange à vaches. Vous avez tous les animaux, hein, la porcherie, elle est là. Il y a la porcherie aussi. On va descendre un petit peu. Ouais, on va descendre un petit peu. Regardez, vous avez un superbe coin. Il y a vraiment de tout. Donc ici, je pense que c'est les poulets. Ouais, je pense même que c'est bien, c'est les poulets. Et ici, vous devez avoir, bien sûr, les cochons, peut-être. Peut-être, c'est même sûr. En face, qu'est-ce qu'il y a en face? J'ai trouvé ça super joli aussi. Regardez, regardez ça, je vous l'ai mis dans le plan de vue. Farmer Market. Je trouve que c'est un genre de... Ouais, c'est un point de vente, mais c'est super joli. Ici, vous vendez vos légumes, apparemment, je crois, vous en direz bien. Ouais, carottes, regardez, donc pour les carottes, les navets, les tomates, les salades, les oignons, voilà, vous vendez un peu vos légumes. Ce qui sort des serres, bien évidemment. Je suppose, j'ai pas demandé et j'ai pas vu, mais il y a un autre point de vente ici, les amis. Il y a mon petit Seb du Nord qui m'appelle. Attendez, bougez pas, je prends l'appel. Oui, bonjour mon petit Seb du Nord. Tu fais un coucou aux abonnés, on est en train de tourner un épisode. Je te rappellerai un petit peu plus tard, mais je t'en prie, fais un petit coucou, t'es un haut-parleur. Bonjour à tous, c'est Seb du Nord. J'appelais pour faire un bisou. Salut mon poteau Seb, et bah écoute, bah, je t'ai rejoint, y'a pas de problème. À tout à l'heure mon poteau, et bisous. Salut mon Seb, bisous, ciao. Voilà, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Je mettrai dans le titre, bien évidemment, avec un appel de Seb du Nord qui en fera, bien sûr. Ici, c'est super joli. Je trouve la fabrique est super jolie. Bah, enfin, voilà, donc, de toute façon, c'est vrai qu'il y a un environnement, il y a une belle map. C'est vrai que pour l'instant, sur le FS22, les amis, on n'a pas forcément de map. Et j'ai trouvé cet endroit assez joli aussi. Je pense que vous pouvez venir récupérer de l'eau. Vous testerez, vous me direz, bien sûr, dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, à partager. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ça vous a plu. C'était 7 par 12, le geek du soleil. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. On se retrouve demain en live, bien sûr, pour le Morning Farm. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye.